C'est parti. Je crois que j'ai changé les trucs tout à l'heure. Donc on a Ingvanger à gauche, Arcagame à droite. Si je me trompe pas. Donc là on a le mode expédition risquée qui, pour ceux qui savent pas, qui consiste à monter sur la tour jusqu'à ce qu'elle revienne dans ta zone. Alors, on a un mode aussi que j'avais fait sur le premier de ce plateau. Donc là, faut le ramener sur les zones brillantes, si je me rappelle bien. Enfin, je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Je vais pas mentir. Là c'est la team jaune hein, qui domine, qui avance le plus. Team jaune qui est donc Arcagame, non, qui est donc Ingvanger. Vu que ça se retourne tout le temps, j'ai du mal à suivre. Je parle pas beaucoup, j'essaie de saisir le truc, on va essayer de faire ça. Ah bah voilà, terminé. Terminé, c'est donc la victoire pour l'équipe. J'ai pas pu voir, j'ai pas bien compris. L'équipe jaune. L'équipe jaune qui a fait ça vite. Vite et bien. Gauche. Hop. On est reparti direct. Hop. Avec la team Ingvanger et Calacel Arcagame recomposé. Ah, il comprenait. Ah, d'accord. Allez, on y va. 1-0 pour Ingvanger. Plus que 2 points. Ah oui, d'accord. Ouais. On va suivre d'abord l'équipe gagnante de la game d'avant pour voir un peu comment il débrouille. Direct, hop. Il attaque fort le petit vert. Ils prennent donc l'avance déjà. J'ai bien compris, faut peindre la tour pour qu'elle avance et être éventuellement dessus. Du coup, le combo recomposition de la team Arcagame et Calacel. C'est compliqué, à mon avis du mal à jouer ensemble, pas souvent ensemble j'imagine. Donc c'est expéditif cette finale. C'est les verts qui gagnent. Donc les verts c'était les Ingvanger. Les Ingvanger, score gauche, 2-0. Ça va être expéditif.
Putain, c'est vrai que c'est moi qui dois tout lancer. C'est moi qui fais perdre du temps après. Hop, on est reparti. Tac. Ils sont dans le dur. Côté Arcagame. On les attend. On est habitué du mode. Oh là, j'ai du mal avec ces noms de mode. Hein. Mode expédition d'esquise, on est habitué de ça. Et puis encore une fois, ouais, l'équipe Mi-Arca, Mi-Calacel doivent pas jouer ensemble souvent. J'imagine. Tant qu'on est plus de team qu'aujourd'hui. Bah après, on peut faire plus tard aussi. Allez, on attend. Le leader de l'équipe Arca a pas pu participer. Non, Ingvenger, pardon. Le leader de l'équipe Ingvenger a pas pu participer malheureusement. Il était en train de manger. Enfin, je sais pas si c'est leader, mais en tout cas c'est celui qui a tout, qui a ramené toute cette team et qui a fait tous les matchs avant. Mais bon, ils m'ont l'air plutôt bien partis pour le moment. Pour le moment, ils m'ont l'air bien partis. Allez, let's rock. Allez, faites-nous un peu de spectacle à la team Arca. Faites un peu de... Faites-nous... Proposez-nous la surprise. Revenez dans la course. Et sans surprise, c'est déjà la team Ingvenger qui prend l'avantage. Ils reprennent. Ils ont repris. Et immédiatement éliminé par les Ingvengers. Alors, elle est où la tour? Elle est où la tour? Elle est là. Et c'est donc lui qui est prêt. Lui, il est chaud. Hein. Ils sont chauds. Ouf. Il a pas le temps, Galin. Il a pas le temps. Il est là, il a pas le temps. Nintendo, donc là ils ont l'avantage, Ingvenger. Comme les autres parties ont encore l'avantage. Ah là c'est bien, ils repartent, les Calacels repartent. Ils se réveillent un petit peu. Et ça y est, ils prennent l'avantage. Donc là. Il n'y a plus personne sur la tour. Les Ingvenger qui reprennent la tour. Galin qui est au taquet, il se fait démonter à chaque fois que je mets la caméra sur lui. Mon équipe a le stand mobile, c'est reparti, ça repart dans la première au premier checkpoint. Point de contrôle numéro 1, c'est revenu. Mon équipe a passé le point de contrôle numéro 1. Donc là, ils reprennent largement l'avantage, ça va vitesse grand V. Et hop, il est déjà sur la tour. C'est vitesse grand V. Et là, ils sont bien partis pour en découdre et en finir avec le tournoi. La tour elle arrive. Checkpoint numéro 2. Ils sont plus qu'à quelques mètres de finir. Ils s'en sortent bien. Et là, c'est la victoire pour les Ingvenger. Bravo à eux. Bravo à Ingvenger. Félicitations, donc pas de lot pour cette, ce premier tournoi online, mais il sera pris en compte pour le premier match de la Inkling League Online. Félicitations à Ingvenger et GG aussi à Arcagame. Donc, on vous dit à la prochaine. Normalement, là c'était le premier, c'était un dimanche, mais normalement il y aura des tournois online comme ça tous les mercredis online et une fois par mois des matchs offline.
Restez connectés sur le Discord, le Inkling League, sur le Twitter, sur Facebook, ASGS eSport, et éventuellement sur Super Smash Out, vu qu'on retransmet les infos de ASGS eSport et Splatoon Inkling League. Donc voilà, tous les mercredis, et le prochain, c'est mercredi prochain, si je ne m'abuse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Normalement, il y aura sûrement des streams à presque à chaque fois, si c'est faisable. Et sinon, les tournois auront quand même lieu en s'organisant sur Discord. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.